On va commencer. La régie là-haut. Ouais, bon, je pense que c'est... Ok, on commence. La lumière, peut-être... Catherine, oui. Catherine, quand je commence, la lumière s'abaisse, je suppose, oui. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux, malgré les craintes de toute espèce qui nous entourent. J'inaugure aujourd'hui, à l'aimable invitation de Nicolas Grimal, donc ce cycle de conférences pour cette année 2022. J'ai donc proposé comme sujet l'histoire de Samarcande revisitée par l'archéologie. Est-ce qu'il est possible dès maintenant d'abaisser la lumière, s'il vous plaît? Ah! Alors, est-ce que là on entend? Ah, voilà, il faut que je parle davantage dans le micro. D'accord. On entend bien là. Ok. Je vais attendre que les dernières personnes soient installées. Il faudrait que dès que je commence, les lumières soient baissées, parce que sinon on ne va pas voir. Voilà. Bon, on peut commencer. S'il fallait ajouter une entrée au dictionnaire des idées reçues de Flaubert, je proposerais celle-ci. Samarcande, un nom qui fait rêver. Les archéologues qui fouillent le site ont la tâche difficile de combler l'attente liée au nom, de donner substance au rêve sans pour autant dénaturer la réalité concrète. Avec mes collaborateurs de la mission archéologique franco-ouzbèque de Sogdiane, qui a fouillé le site de 1989 à 2012, je suis l'un de ces archéologues et je vais vous présenter une partie de nos travaux. La Samarcande qu'affichent les dépliants touristiques doit sa parure monumentale à Tamerlan, qu'il a choisi comme capitale en 1372. Ses successeurs n'ont cessé de l'embellir pendant les trois siècles suivants. Voici l'un des ensembles emblématiques de la ville, la place du Régistan, délimitée par trois madrassas édifiées entre le XVe et le XVIIe siècle. Mais cette Samarcande avait été précédée par une autre, plus discrète, car désertée après l'invasion mongole de 1220. Durant les huit siècles qui se sont écoulés depuis, les structures, construites pour l'essentiel en briques crues, se sont effondrées sur place et ont fondu sous les intempéries. Elles se marquent par des collines et des talus où seules se reconnaissent les grandes lignes directrices, les remparts, la citadelle. C'est le cadre de nos fouilles. Le plateau où s'élevait la ville ancienne est enserré de toutes parts par la ville moderne et les villages de la périphérie. Au sud, on aperçoit les coupoles de la Samarcande de Tamerlan. Le site ancien est pour sa part appelé Afrasiab, château d'Afrasiab. Excusez-moi de t'interrompre. Est-ce que vous pouvez couper la rampe? On ne voit rien sur l'écran. Merci. Excuse-moi. Oui, oui, tu as raison, je l'avais demandé dès le début. Mais je crois qu'elle n'est pas coupée. Ça y est, bon. Voilà. Et peut-être abaisser encore davantage dans la salle, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée de la visibilité depuis l'assistance. Le plateau où s'élevait la ville ancienne est enserré de toutes parts, oui. Non, s'il vous plaît, éteignez les lumières qui empêchent de voir. Vous avez encore toute la deuxième rampe. Ah, c'est peut-être mieux là. Non. Le problème vient surtout des lampes qui sont juste là, qui font comme une... Ah. Bon.
Est-ce que c'est mieux? J'en suis pas sûr. Non. En fait, Nicolas, le problème vient de là. Oui, oui. Bon, écoutez, vous coupez les lampes latérales, là. Ça ne doit pas être trop compliqué. C'est quand même vraisemblable. Sinon, on peut lancer un caillou. Ah, attendez. Il y a quelqu'un qui est compétent là-haut. Désolé. Oui, non, non, mais c'est des choses qui arrivent. Sinon, j'espère que mon verbe pourra suppléer à l'image. C'est celle-ci. C'est celle qui est, non, celle qui est cachée. Oui, donc celle qui est dans le, qui est dans la cage de scène. Donc ça sont les services. Donc ça c'est pas de ma régie. Pardon ? C'est pour ça. Ce sont les services. On appelle ça les lumières de service. Ben oui, ben alors c'est... Moi je m'occupe de ce qui est sur les. Moi je m'occupe de ça en régie. Je sens qu'on va au devant de grands remaniements. Oui. Bon. Bon, bon, bien, je vais quand même continuer d'écrire ce que vous auriez pu voir. Donc, au sud, vous pourriez normalement apercevoir les coupoles de la Samarcande de Tamerlan. Le site ancien, pour sa part, est appelé Château d'Afrassiab ou simplement Afrassiab. Ce nom fait référence à Afrassiab, le mauvais roi du Touran, l'ennemi oriental de l'Iran, dans le livre des rois de Ferdowsi. Afrassiab est dite habiter un palais souterrain qu'on a ici identifié aux hautes falaises de Leus qui délimitent la ville ancienne. Mais son nom trouve aussi des échos spécifiques dans la culture turque. Afrassiab était tellement haï des Persans que deux des premières dynasties turques musulmanes, les Seldjoukides et les Karakhanides, le revendiquèrent comme ancêtre, dans un acte d'auto-affirmation. Au contraire... Voilà, c'est Afrassiab dans son palais souterrain qui a déclenché, finalement. Au contraire des Seldjoukides, qui ne contrôlèrent Samarcande que d'une manière temporaire ou indirecte, les Karakhanides y eurent toujours une branche dynastique établie à demeure. Depuis leur conquête du royaume samanide en 1000 jusqu'à l'exécution du dernier souverain karakhanide en 1212. Dès sa création en 1989, la mission archéologique franco-ouzbek de Samarcande, que j'ai dirigée jusqu'en 2014, avant de passer la main à Claude Rapin, que voici, cette mission a tenu à s'inscrire dans la continuité de l'expédition archéologique complexe d'Afrassiab, qui, sous la direction de Galina Vassilievna Chichkina, avait depuis les années 60 profondément renouvelé la connaissance du site. Plusieurs collaborateurs de l'ancienne mission ont dès le début rejoint la nouvelle. L'archéologue Ludmila Sokolovskaya, le numismate Boris Kochnev, l'architecte Elena Kurkina, tous trois décédés depuis, comme le géographe Pierre Gentel, dont nous préparons pour publication l'étude fondamentale sur l'environnement géographique de Samarcande. Olga Inevatkina,
ici au volant, a poursuivi jusqu'à maintenant ses recherches sur les fortifications. Ces collaborations ont permis d'assurer la continuité de l'information, des méthodes et des problématiques. Comme les missions soviétiques qui l'avaient précédée, la mission franco-ouzbèque n'a pas limité ses activités au site d'Afrassiab et est parfois allée chercher ailleurs des réponses aux questions qui se posaient. Dans cette présentation, je ne mentionnerai que le site de Kok Tepe, ici tout en haut, fouillé par Claude Rapin et Mouhamedjan Issamiddinov, à 30 km au nord d'Afrassiab. Ce site paraît l'avoir précédé comme site principal de la vallée moyenne du Zerafshan. L'occupation remonte à l'âge du bronze tardif. Une phase monumentale apparaît brusquement dans le courant du VIe siècle avant notre ère, peut-être en relation avec les premières conquêtes achéménides sous Cyrus. Les hypothèses actuellement avancées identifient l'une des enceintes intérieures comme sacrée et l'autre comme palatiale administrative. Une porte de l'enceinte sacrée renfermait les restes d'un rituel de fondation avec des tombes factices que vous voyez ici, pour lequel on peut proposer des parallèles dans le rituel védique des autels du feu. Comment ces données peuvent-elles éclairer le processus de fondation de la ville de Samarcande sur le site d'Afrassiab? En ce qui concerne la chronologie relative des fortifications, les recherches de notre mission ont pleinement confirmé le modèle mis en évidence par nos prédécesseurs. On observe d'abord la construction simultanée, dès la fondation de la ville, du rempart 4, ici en bleu, sur le rebord du plateau, et du rempart 1, séparant l'acropole de la ville basse. Le synchronisme de leur construction s'exprime dans un même type de maçonnerie, de grosses briques non moulées, dont chacune porte une marque de brigade, et qu'on retrouve aussi à Kok Tepe, indice probable d'une mobilisation massive des communautés rurales pour édifier les enceintes protectrices. Afin de mieux ancrer la chronologie absolue, en 2006 fut ouvert un sondage stratigraphique dans le secteur sud-ouest de la fortification extérieure, près d'un endroit où le relevé topographique de 1885 laissait soupçonner une ancienne porte. Des excavations récentes au bulldozer, destinées à aménager un bassin, permettaient d'étudier en coupe les premiers états du rempart et d'accéder facilement aux couches les plus anciennes. Ces couches, notamment une grande fosse remplie de céramique, ont livré un matériel chronologiquement homogène, avec une forte prédominance de la céramique modelée sur la céramique tournée et de grandes jarres qui trouvent de proches analogies, notamment dans le matériel des petits sites urbains de la vallée du Surkhandarya, qu'on s'accorde à dater entre la deuxième moitié du VIe siècle avant et le Ve siècle avant. Il faut noter que cette fosse occupe une position stratigraphique claire, car elle est presque immédiatement recouverte, ici, par le premier épaississement intérieur du rempart. Donc, il ne fait pas de doute que ce matériel est pratiquement contemporain de la fondation de la ville, et qu'en conséquence, celle-ci doit être placée au début de l'époque achéménide, un peu après Kok Tepe, probablement sous Darius Ier. La question de la date de création d'une ville fortifiée à Samarcande est directement liée à celle du réseau hydraulique dans la plaine. Comme Pierre Gentel l'a établi sur la base d'observations nouvelles, aucune adduction d'eau efficace sur le plateau n'était envisageable sans une dérivation artificielle prise en amont sur la rivière du Zerafshan. C'est le grand canal du Dargom qui fonctionne encore et dont le nom qui signifie « le long cours d'eau » remonte effectivement à l'époque antique. Il est possible cependant, d'après les études complémentaires de nos collègues de la mission italienne, que ce canal, prévu dès l'origine, n'ait véritablement fonctionné qu'à partir de l'époque grecque. Cette époque grecque commence avec la prise de la ville par Alexandre en 328. Les historiens d'Alexandre la désignent sous le nom de Marakanda, transcription adaptée à partir du nom de Samarcande, que la ville n'a jamais cessé de porter tout au long de cette histoire, de même que le pays qu'elle domine restera connu comme la Sogdiane jusqu'à la période islamique ancienne. Dans la littérature antique, le souvenir de Marakanda est surtout associé au sinistre épisode du meurtre par Alexandre de Kleitos, compagnon de son père, lors d'une beuverie au palais satrapal dont nous avons retrouvé des restes à la citadelle. Après le départ d'Alexandre, les sources gréco-latines ne nous apprennent plus rien sur la présence grecque, dont la durée faisait l'objet d'estimations divergentes chez les archéologues.
Une base solide vient d'être apportée par la publication des monnaies grecques trouvées sur le site et ceux de la zone proche. Peu de ces monnaies ont été trouvées dans les fouilles, car les archéologues légaux n'ont jamais pu utiliser là-bas les détecteurs de métaux dont l'usage était prohibé. Mais les chercheurs de trésors ne connaissaient pas ces contraintes. Finalement, notre collaborateur Anvar Atakhodjaïev est parvenu à sauver une grande partie de cette information en récupérant des exemplaires pour le musée et en photographiant les autres. Au total, on a une soixantaine de monnaies qui forment une séquence continue partant d'Alexandre, continuant avec les Séleucides jusqu'à Antiochos II et se terminant vers 250-230 avant notre ère avec Diodote I ou II, les premiers rois gréco-bactriens indépendants. Donc, au total, un siècle ou peu s'en faut de présence grecque ininterrompue. Un autre enseignement important de cette étude est qu'il existait à certains moments un atelier monétaire frappant des monnaies de bronze à Samarcande ou sur un site voisin. Comme on pouvait s'y attendre, les marqueurs archéologiques de la présence grecque à Samarcande, ville de garnison face au front de la steppe, sont très différents de ce qu'a fourni la grande ville d'Aïkhanoum en Afghanistan, qui était une capitale impériale. On a à Afrassiab une céramique d'origine grecque, mais moins variée, aucun monument à décor de pierre, mais avant tout, une reconstruction générale du rempart en briques crues, avec de complexes dispositifs de circulation que nous avons pu étudier à la porte nord. Toujours dans la partie nord de la ville, à 6 mètres de profondeur sous la cour de la mosquée, un ancien sondage avait atteint le niveau hellénistique et une maçonnerie rougie par le feu qu'on avait alors attribué à un four de potier. Ce sondage a été élargi, ce qui a permis de comprendre qu'il s'agissait en réalité d'un grenier monumental de 40 mètres de côté, datant des débuts de l'occupation grecque. Sa fouille presque intégrale a été rendue possible par un heureux hasard stratigraphique. Une fosse creusée lors du dernier chantier de reconstruction de la mosquée et remplie de détritus qu'il était licite d'enlever au bulldozer, descendait jusqu'au niveau d'arasement des murs. Le grenier était constitué de 8 grandes pièces identiques, en partie souterraines, avec des murs épais, maçonnés en briques crues, portant des marques en alphabet grec. Dans ces pièces étaient stockés tantôt de l'orge, tantôt du millet, céréales par excellence des stocks militaires, puisqu'ils se conservent longtemps sans germer. L'existence de ce bâtiment se clôt sur un incendie, sans doute accidentel, ici les traces rouges et noires, sans doute accidentelles, que les autorités de la ville ont vainement tenté de contrôler en faisant scier les poutres des toits pour étouffer le feu. L'incendie a carbonisé sur place les grains de millet et rougi les murs. Une problématique pour laquelle il fallait recueillir des données ailleurs qu'à Afrassiab est celle de l'interaction entre sédentaires et nomades, qui a été un facteur déterminant de l'histoire de la ville à plusieurs périodes. Ce fut même le cas à la période d'occupation grecque, et plus encore ensuite. La domination politique est alors passée à une confédération nomade, connue sous le nom chinois de Kangqiu. Une de leurs deux capitales, plutôt des camps royaux fortifiés, aurait pu se trouver dans la région de Tashkent, et l'autre au nord-ouest de Samarcande, sur le site d'Orlat, dont les tombes ont fourni de remarquables gravures sur os, figurant des combats de cavaliers en lourde armure, assez semblables aux cataphractaires parthes qui affrontaient alors les armées romaines. Pour cette même période, nous avons trouvé à Koktepe la sépulture intacte d'une princesse, appartenant sans doute au clan qui contrôlait Samarcande. Sa robe était cousue de boutons d'or et un miroir chinois en argent, produit dans les ateliers impériaux, reposait près d'elle, en même temps que des poteries fabriquées à Samarcande, dans la continuité de la tradition grecque. Ces objets montrent que la ville continuait sous ses nouveaux maîtres à produire un artisanat de qualité, et aussi que des liens avec la capitale chinoise commencent à s'établir dans le cadre de ce qui est en train de devenir la route de la soie. Cependant, l'occupation d'Afrassiab se rétracte alors vers le nord du plateau, rétractation qu'entérineront les nouveaux remparts édifiés au 5e et 6e siècle. Plus qu'à une régression économique, ce rétrécissement de l'emprise urbaine correspond à un schéma urbanistique nouveau qui, à cette époque, apparaît en diverses régions de Sogdiane et semble lié à une restructuration des espaces urbains, désormais plus denses que dans les enceintes surdimensionnées héritées de la période antique.
Vers la même époque, sous le contrôle des nouveaux empires fondés en Bactriane par les Huns Kidarites et Eftalites, la citadelle, édifiée à l'époque achéménide, est considérablement exaucée. Dans les chroniques chinoises, le royaume de Sogdiane s'affirme alors comme un interlocuteur commercial et diplomatique majeur. Un témoignage concret de ses relations avec la Chine est une statuette en bronze doré du Bodhisattva Guanyin, appartenant à une série rare produite au VIe siècle. Trouvée dans le secteur du palais, elle a pu être apportée par un ambassadeur chinois ou rapportée par un ambassadeur de Samarcande. Vers 640, après un siècle de domination par l'empire des Turcs occidentaux, le dernier empire nomade à avoir occupé la scène centra-asiatique avant les Mongols, le roi de Samarcande peut enfin prétendre à une pleine indépendance et au dialogue direct avec l'empereur de Chine. Une manifestation spectaculaire de ce nouvel état de choses est le grand cycle de peinture murale connu sous le nom de « peinture des ambassadeurs ». Je n'en dirai ici que quelques mots, d'une part parce que j'ai eu l'occasion d'en parler dans une communication parue dans les comptes rendus de l'Académie de 2018, d'autre part parce que cette œuvre a été trouvée en 1965, bien avant notre mission, ce qui évidemment ne nous a pas empêchés de nous y intéresser. Datable des environs de 660, elle reflète la propagande du roi Varchuman qui se proclamait l'allié de la Chine des Tang. L'intérêt que nous avons pris à ce chef-d'œuvre, que nous avons contribué à faire restaurer, a permis de faire de nouvelles observations et de progresser dans l'interprétation d'ensemble du programme idéologique, où la composante géopolitique et calendaire apparaît décisive. Le mur sud figure la procession au mausolée des ancêtres royaux, le sixième jour du nouvel an zoroastrien, dit le Nowruz royal. Le mur ouest est consacré à la réception des ambassadeurs étrangers lors des jours précédents. Le mur est figure en un endroit deux astrologues indiens. Et le mur nord, la fête chinoise des bateaux dragons, qui, dès à l'époque où la peinture fut exécutée, coïncidait à la fois avec le Nowruz royal et avec le solstice d'été. Une période peu étudiée par nos prédécesseurs et sur laquelle nous avons beaucoup travaillé est celle des débuts de l'islam. Début difficile, car la ville conquise en 712 n'a été tenue de manière stable qu'à partir du milieu du siècle. L'emprise du nouveau pouvoir s'est marquée dans la zone nord, celle de l'acropole, sous la forme de deux palais édifiés à très peu de temps d'intervalle. L'un d'eux se situe sous la grande mosquée et est séparé par une épaisse couche de remblai du grenier grec. Excusez-moi. Voilà. Ce palais est séparé par une épaisse couche de remblai du grenier grec précédemment décrit, ici. Ou plutôt, il était ici. La question de l'existence à cet endroit d'un temple pré-islamique était restée pendante, depuis qu'en 1905, Barthold l'avait posée sur la base des sources écrites. Plusieurs locaux, à caractère apparemment monumental, avait été très partiellement atteint dans les années 70 et 80, mais la mission d'alors n'avait pas eu le contrôle complet de ces sondages, ni les moyens de les relier entre eux de manière systématique. De 1989 à 2003, la mission franco-ouzbek a pu en reprendre la fouille et montrer qu'ils appartenaient non pas à un temple, mais à un palais de la fin de la période omaïade. Des tampons en écriture koufique, imprimés sur des dalles de terre cuite, ont permis de préciser le contexte dans lequel le monument fut édifié. Deux d'entre eux se lisent Irshid et Ishtihan et semblent indiquer une contribution en nature des Irshides, les rois de Samarcande, qui conservaient leur ancien titre, bien qu'ils se fussent repliés sur la principauté d'Ishtihan après la conquête arabe de la ville. Le troisième tampon se lit Hammad, que Yuri Kariev propose d'identifier avec Hammad al-Sourdi, personnage mentionné chez Tabari comme étant un proche de Nasr ibn Sayyar, le dernier gouverneur omaïade du Khorasan. On peut faire l'hypothèse que vers 740, Hammad
exerçait à Samarcande la fonction de collecteur des impôts et qu'il aurait supervisé la construction d'un palais pour le gouverneur, en obtenant de l'Irshid une contribution en nature sous forme de dalles de terre cuite, un matériau alors peu répandu dans la région. Quant à la question de l'affectation antérieure de cette zone à l'ouest de la citadelle, elle reste ouverte. L'hypothèse qu'il se soit agi de la zone du temple, devenue libre d'occupation après la conquête arabe et de ce fait disponible pour la construction hâtive d'un palais, reste envisageable. Du point de vue architectural, ce palais assez rapidement abandonné apparaît comme une réalisation hybride, avec de longs corridors hérités de l'architecture sogdienne, mais aussi des blocs disposés autour de cours carrés plus typiques de la nouvelle architecture arabe. Toujours à l'acropole, le plateau à l'est de la citadelle, ici, voilà la citadelle et le plateau. Ce plateau n'avait auparavant fait l'objet que de quelques sondages peu encourageants, qui n'avaient détecté qu'une occupation médiocre sous forme de casernement militaire, juste antérieure à l'invasion mongole. Mais l'exploration systématique de ce secteur par Youri Kariev a permis de mettre au jour deux occupations monumentales de la période islamique. Tout comme pour le palais Umayyad sous la mosquée que je viens de présenter, pas une ligne dans les sources écrites ne permettait d'en prévoir l'existence. Il s'agit d'une part d'un palais des années 750, dont la construction est certainement attribuable à Abu Muslim, principal instigateur de la révolution abbasside. D'autre part, surmontant la ruine de celui-ci, un ensemble de pavillons royaux de la période karakhanide finale, fin XIIe, début XIIIe siècle, dont je vais parler plus loin. Contrairement au palais Umayyad, celui d'Abu Muslim apparaît comme l'œuvre maîtrisée d'un architecte, probablement venu d'Iran. Les gros piliers en briques supportant des vérandas, inconnus de l'architecture sogdienne, sont un marqueur de l'héritage sassanide et se retrouvent aussi dans les palais omaïades de Syrie. Mais le décor, qui avait été certainement prévu, ne fut jamais réalisé, suite à l'assassinat du commanditaire. Les colonnades de briques, difficiles à entretenir, furent murées avant même d'être achevées, et ce monument de parade fut rétrogradé à la fonction de bâtiment administratif. Les périodes abbassides et samanides n'en furent pas moins brillantes dans la ville, comme en témoignent les descriptions des géographes arabes, ainsi que la haute qualité de l'artisanat du verre et de la céramique à glaçure. En 2000, dégageant le côté nord du palais qui avait été remblayé au Xe siècle, Youri Kariev se rendit compte que la surface nivelée avait porté un pavillon avec de la céramique caractéristique de la période karakhanide tardive. Les minces murs de briques du pavillon avait été intentionnellement abattu au moment des préparatifs du siège mongol de 1220, et leurs débris étaient bourrés de fragments écrasés de plâtre peint, parmi lesquels furent immédiatement reconnus des figures humaines et animales. Le pavillon mesurait 12 mètres sur 12, et nous nous aperçûmes bientôt que le décor peint avait entièrement couvert ses parois intérieures. Il fallut 5 campagnes pour sortir tous les fragments, au nombre de 600. Certains étaient tombés face au sol, d'autres face en haut. Par endroits, on comptait plus de 10 fragments superposés. Les restauratrices de l'Institut d'archéologie de Samarcande firent un remarquable sauvetage avec l'assistance de la spécialiste française Géraldine Frey, qui travaillait en même temps sur la peinture des ambassadeurs. Nous pouvons dire à présent que environ 30% de la composition totale est sauvée, une proportion qui va bien au-delà de nos premiers espoirs. Le travail continue en laboratoire. Les fouilleurs et les restauratrices ont enregistré la position de chaque fragment, ce qui, bien sûr, aide le travail de puzzle, mais pas dans tous les cas, car les pans de murs avaient été violemment abattus et même secoués pour récupérer les bois de chaînage. En même temps, le contexte architectural a pu être élucidé. En fait, ce sont 6 pavillons qui furent édifiés simultanément sur la surface nivelée, jadis occupée par le palais abbasside. Un seul, celui découvert en premier, était décoré de peintures,
Il était à la fois le plus grand et le mieux situé, avec une vue sur la vallée verdoyante au nord de Samarcande. Voilà le palais, le pavillon et la vallée. Les pavillons n'étaient pas contigus, mais dispersés, probablement dans un jardin, et ils étaient réservés à l'usage privé des parents et des familiers du souverain karakhanide. La situation privilégiée du pavillon aux peintures et le répertoire de celle-ci, auquel je vais maintenant venir, suggère fortement qu'il était réservé au souverain lui-même et à ses réceptions privées. Il consiste en une cour à ciel ouvert, dallée de briques, avec un bassin au milieu. Elle est ceinte d'une profonde véranda, elle aussi dallée, avec, au milieu du côté est, un retrait où se trouvait une banquette maçonnée où, sans doute, le souverain s'asseyait lors des réceptions. Les peintures étaient arrangées en compositions séparées, courant le long des murs et prises dans des cadres, eux-mêmes peints, ce qui nous permet d'évaluer la hauteur totale du décor à 3 mètres. Un autre repère est fourni par les bandeaux épigraphiques, mais les fragments sont trop épars pour permettre de lire plus que quelques mots. Sur ce fragment en arabe, on lit « Walbaqa il sahibi »« Longue vie à son maître », une formule de vœux bien connue qui apparaît sur des objets plus souvent que sur des murs. Une première catégorie de sujets, la plus importante par la surface qu'elle couvre, célèbre les plaisirs de la vie aristocratique. Voici des oiseaux fantastiques, à demi cachés dans un décor floral, lui-même parcouru par une inscription persane. Voyez les lettres ici. On lit les mots « Roseka medel baroyad ». Voici que vient le jour du désir du cœur. Comme cette séquence de mots apparaît ailleurs, on peut supposer qu'il s'agit d'un poème à refrain courant sur un ou plusieurs murs. Mais ce poème n'a pas pu être identifié. Des oiseaux se retrouvent en d'autres endroits. Ici, de nouveau, des oiseaux fantastiques affrontés tête-bêche dans un médaillon. Une corniche portait une frise montrant des chiens de chasse, un chien d'arrêt rouge et un lévrier afghan à la course, à la tête dessinée avec maestria et une touche d'humour. 5 siècles auparavant, la même race de chiens était importée en Chine par des marchands de Samarcande, figurés avec leurs marchandises dans des tombes impériales de la dynastie Tang. D'autres fragments encore illustrent le loisir de la chasse, mais la guerre n'apparaît jamais. Chaque fois qu'une scène dynamique implique plusieurs personnages, il s'agit de pages et de danseurs. Certains ont des moustaches, d'autres non, ce qui n'interdit pas de les identifier aussi comme des garçons. D'autres figures humaines sont à une plus grande échelle, aux 2/3. Contrairement aux précédentes, elles ne se trouvent pas dans les compositions à plusieurs, mais elles sont chacune serties dans un cadre, et leur signification ne peut se comprendre que dans l'entier contexte du mur. L'un de ces personnages était tombé presque intact. C'est un archer turc. Il présente une flèche en esquissant une génuflexion. Les longues tresses et le bonnet pointu sont caractéristiques des Turcs d'Asie centrale. Il porte un arc sous le bras gauche. Dans la reconstruction graphique que nous proposons, le mur est pouvait contenir 3 autres figures du même format, alternant avec 3 niches, dont celle au centre pouvait accueillir le souverain en personne. Probablement, les 4 personnages étaient tournés vers lui et remplaçaient symboliquement les dignitaires debout à ses côtés quand il tenait audience. De tels dignitaires, tenant chacun le symbole de sa fonction, sont mentionnés dans plusieurs textes et reproduits sur des miniatures plus tardives, comme celle-ci figurant la cour légendaire d'un roi d'Iran. Il existe une autre scène de cour sur le mur nord et qui, elle, inclut le souverain. Mais avant de l'examiner, nous devons considérer un étrange motif qui se trouvait près d'elle. À la différence de tous ceux que nous avons déjà reconnus, celui-ci est à caractère mythologique. Il s'agit d'un aigle gigantesque perché sur une montagne. La ligne de végétation au premier plan suggère que cette montagne se situe à un horizon lointain. Devant elle repose une créature hybride. Elle a un visage humain à longue boucle, probablement féminin, et une sorte de bosse couverte d'écailles, peinte en vert. La crête,
qui relie le cou et la bosse soulignent qu'ils appartiennent à une seule et même créature. Qui peuvent être cet aigle et cette créature hybride ? Bien qu'il n'existe aucun parallèle iconographique complet, on peut formuler des hypothèses. Des légendes transmises en arabe, en persan et en turc mentionnent la montagne Kaf, située à l'extrémité nord du monde. Elle est parfois décrite comme une émeraude et parfois dotée d'une face féminine. Elle est associée au simorgh, l'oiseau géant qui recueillit Zal, père du héros Rostam, et qui est aussi considéré comme un conseiller des rois. Dans les miniatures persanes, à partir du XIVe siècle, le simorgh est figuré comme un phénix chinois. Ainsi, sur cette image, où il transporte dans son nid de montagne le bébé Zal, père de Rostam, aux cheveux blancs. Cependant, avant que le modèle chinois ne s'impose, il semble que le simorgh pouvait être représenté d'une manière plus naturaliste. Sur ce manuscrit persan des années 1330, le simorgh, nommé dans le poème, est figuré comme un rapace qu'on a affublé d'une crête et d'une queue de coq. Il est probable que dans les siècles antérieurs, on avait figuré le simorgh comme un aigle géant, ce qui correspond au sens étymologique de son nom. On a récemment proposé de le reconnaître sous cette forme sur un plat d'argent sassanide. Le simorgh est parfois associé ou identifié à deux autres oiseaux mythiques, Anka et Homa. En explorant le corpus limité qui nous est parvenu de la poésie de cour karakhanide, Yuri Kariev a découvert un poème persan de Souzani de Samarcande, dédié au souverain karakhanide Massoud ibn Hassan, qui régnait à Samarcande dans les années 1160. Souzani s'adresse à lui en ces termes. « À la vue de la corde et du crochet de ton arc, Anka se réfugie derrière Kaf, tel un faisan dans le taillis. Quand tu chasses, la tempête des plumes de ta flèche de peuplier blanc chasse Anka de Kaf et le souffle dans le désert. » On peut constater que les principaux éléments présents sur la peinture se retrouvent dans ces vers, la montagne Kaf, l'aigle géant, à quoi il faut ajouter la flèche du roi sur la composition voisine à laquelle je vais maintenant venir. Du point de vue de la symbolique politique, cette peinture est de loin la plus importante de toutes celles du pavillon. 6 personnages au moins participent à cette scène statique. Le souverain, assis jambes croisées au centre de la composition, est d'une taille supérieure à tous les autres et sa position frontale ne se retrouve avec aucun des autres personnages du pavillon. Comme le porte-arc que nous avons précédemment rencontré, c'est un Turc, reconnaissable à son bonnet pointu et à ses longues boucles tombant de part et d'autre du cou. Il ne porte pas d'arc, mais comme l'autre, il tient la flèche par l'empennage. Il existe plusieurs parallèles iconographiques à cette image du souverain archer. La plus remarquable étant le portrait de Badreddin Lulu, souverain turc de Mossoul, au frontispice du fameux Livre des chansons, peint en 1218. Mais la robe de notre personnage, entièrement couvert d'un motif de harpie nimbée sur un arrière-plan floral, est bien plus exubérante. Deux dignitaires se tiennent de part et d'autre du trône. Celui à gauche, un jeune turc à longue boucle, exécute un geste de déférence avec son index levé. Plus haut derrière le trône, d'autres personnages sont engagés dans des activités moins solennelles. À gauche, un turc dont le visage manque, mais dont on reconnaît les boucles, offre une grenade à un jeune page qui caresse un chat. Nous l'avons d'abord identifié à une femme, mais il porte une épée. Donc il s'agit beaucoup plus probablement d'un page. On faisait aussi la cour à des pages. Un tel mélange de solennité et de familiarité anecdotique caractérise le seul roman karakhanide en prose qui nous soit parvenu, le Livre des Sept Vizirs, composé à Samarcande vers 1160 par le chancelier Muhammad Zahir Samarkandi. En observant la figure du souverain, nous sommes inévitablement amenés à nous poser la question de son identité. Ces peintures étaient visiblement destinées à un petit cercle de familiers, non à une contemplation publique. Aucun sujet ni aucune inscription ne renvoie à la religion.
L'examen interne des peintures donne des indices quant à leur date, mais au stade présent de notre étude, ces indices ne sont pas complètement cohérents les uns avec les autres, même si la période à laquelle ils sont susceptibles de renvoyer est limitée à un demi-siècle, le dernier de l'histoire caracanide. On a là un très jeune homme, et même un adolescent. Contrairement à l'officier turc à sa gauche, il n'a qu'un duvet en guise de moustache. Sa face est toute ronde, conforme au type idéal de la beauté tant masculine que féminine, le mahroy ou face de lune, célébré par d'innombrables vers persans, qui l'associent presque toujours aux Turcs. Encore au XIVe siècle, Hafez célèbre le ou la Turc de Samarcande au visage de lune. Le persan n'a pas la distinction des genres et joue constamment sur l'ambiguïté sexuelle. Dans le cycle de peinture que nous examinons, l'élément turc est absent des inscriptions, qui sont seulement en arabe et en persan. Mais il demeure présent comme idéal physique, au moins au niveau supérieur de la société. Plus précisément, nous savons qu'un visage de lune et un charme juvénile caractérisaient Othman ibn Ibrahim, le dernier souverain caracanide de Samarcande. Comme plusieurs de ses récents prédécesseurs, il était un patron des lettres et un poète lui-même. Je cite ici des vers de Muhammad Aoufi, qui était son ami. Il était le prince dans le rire duquel la perfection de la bonté céleste reflétait l'image de la lune. Une autre caractéristique de ce portrait mérite l'attention. Il a été méticuleusement mutilé. Non seulement ses yeux ont été grattés, mais son cou a été coupé deux fois, à la fois avec un couteau et avec un rouleau indenté à pâtisserie. Certes, c'est l'entier décor du pavillon qui s'est trouvé victime de déprédation. La plus grande partie de la surface fut recouverte d'un badigeon sur lequel furent apposées d'autres peintures à caractère purement décoratif. L'idée qui se présente la première est d'attribuer ces mutilations à des zélotes musulmans qui auraient eu l'occasion de se rendre maître des quartiers royaux. Mais si tel avait été le cas, on s'attendrait à ce que tous les visages humains aient été défigurés, alors que seuls le furent le souverain et les principaux dignitaires, et que seul le souverain fut décapité. On doit donc donner à ces mutilations une signification personnelle ou politique, plutôt que religieuse. Si on recherche un contexte possible, on pense en premier lieu aux événements qui se produisirent à Samarcande en 1212. Cette année-là, Ousmane, le jeune souverain dont les poètes avaient célébré la beauté, fut renversé et exécuté par son suzerain Muhammad ibn Tekesh, roi du Khwarezm, qui avait pris la ville. Depuis son accession au trône, Ousmane, comme avant lui ses prédécesseurs, avait tenté de maintenir une certaine indépendance en jouant double jeu avec les deux pouvoirs rivaux qui se partageaient l'Asie centrale. Du côté oriental, les Karakhitai, des Mongols bouddhistes, qui avaient été précédemment les maîtres de la Chine du Nord. Du côté occidental, les Khwarezmshahs, turcs musulmans, anciens gouverneurs des Seldjoukides, dans le pays du Khwarezm, au sud de la mer d'Aral. Les Karakhitai étaient renommés pour la beauté de leurs femmes. Et Ousmane, bien que déjà marié à la fille du Khwarezmshah, n'avait pas pu résister à la tentation d'épouser aussi une de leurs princesses. Celle-ci était tout autant que son époux une parfaite image de la beauté idéale selon les poètes. Plus tard, Djouvaïni, chroniqueur du désastre de la conquête mongole, devait se répandre en effusion sur le jeune couple. Je cite « Le visage de la lune était un reflet de ses joues, et c'est pour elle que fut envoyée du ciel la sourate de la beauté. Le sultan des sultans s'éprit d'elle. Dans son désir, la tunique de la patience se déchira comme une rose qui s'épanouit. » Tandis que se déroulaient ses amours adolescentes, la première épouse Khan Sultan, en fureur, envoyait des messagers au Khwarezm, se plaignant à son père en des termes que Djouvaïni, toujours lui, nous a transmis. Le sultan s'est retourné contre mon père et a de nouveau parti lié avec le roi des Karakhitai. Il m'a humilié lors d'une fête en m'obligeant à servir la fille qu'il a reçue de lui en mariage. Malheureusement pour Osman, il avait fait le mauvais choix. En 1212, son beau-père, le Khwarezmshah, prit Samarcande après un siège sanglant. Sa première intention était d'épargner la vie de son gendre. Mais Khan Sultan insista pour qu'il soit exécuté.
Plus tard, elle fut durement punie de son orgueil. Jean Giscane fit massacrer toute sa famille et elle-même se retrouva dans la plus totale misère. Le seul qui voulut bien d'être fut un teinturier, la profession la plus méprisée dans la culture islamique, et elle termina ses jours avec lui dans une ville de province. Lorsque nous nous aperçûmes, Youri Kariev et moi, que le souverain de la peinture avait été décapité au rouleau à pâtisserie, notre premier mouvement fut de reconnaître une vengeance de femme, la main de l'épouse bafouée. Ayant pris un peu de recul, nous sommes prêts maintenant à considérer d'autres options. Les mutilations sont certainement en rapport avec le changement dynastique qui survint en 1212, mais nous ne pouvons pas exclure que le souverain ait été un prédécesseur de Haussmann. Le nettoyage et le réassemblage des fragments encore en cours permettra peut-être de trancher. Ces peintures du pavillon caracanide de Saint-Marcande sont en train d'entrer dans toutes les études générales sur l'histoire de l'art islamique, car elles sont désormais ce qui comble le mieux la lacune entre, d'une part, la peinture murale préislamique, dont nous avons vu tout à l'heure un magnifique exemplaire à Samarcande, et d'autre part, la miniature persane, qui surgit au XIVe siècle avec déjà la pleine maîtrise de ses procédés. Le regretté Boris Marchak, conservateur à l'Ermitage et directeur des fouilles de Penjikent près de Samarcande, associé étranger de cette académie, avait attiré, au moment de la découverte, notre attention sur les nombreuses similitudes avec les poteries peintes de l'Iran seldjoukide, relevant du fameux style Minahi, dont de magnifiques exemplaires se trouvent au Louvre. Il nous suggérait que la peinture seldjoukide ne s'était pas confinée à ce support, mais qu'on aurait ici le reflet d'un art perdu de la miniature et de la peinture murale. Toujours selon lui, le déclin des cours iraniennes au milieu du XIIe siècle aurait incité les peintres à chercher de l'emploi dans des régions éloignées, et notamment à la cour karachanide. Une forte contribution seldjoukide a déjà été remarquée tant dans la décoration des églises géorgiennes qu'à la cour de Konya en Anatolie. Alors, pourquoi pas aussi à Samarcande? Tout ceci, on le voit, offre de la matière à nos recherches futures. Pour conclure, je voudrais signaler qu'en novembre prochain, s'ouvrira au Louvre une grande exposition sur l'archéologie et l'art de l'Ouzbékistan. Elle inclura plusieurs des objets que j'ai présentés ici, notamment la tombe de la princesse de Koktepe, un panneau de la peinture des ambassadeurs et plusieurs compositions du pavillon Karakhanide. Vous êtes attendus nombreux. Merci de votre attention. Oui, septembre, corrigé en novembre, parce que l'exposition a été un peu décalée. Une question perfide, mais ça ne t'étonnera pas, madame. Où en est-on de la publication finale? Elle avance. Je vais être plus précis. Il y a actuellement 3 volumes en préparation avancée. La publication des céramiques, gros travail que Bertil Lyonnais est en train d'achever. J'ai mentionné l'étude du regretté Pierre Gentel sur l'adduction d'eau et l'environnement géographique, manuscrit qu'il a laissé inachevé à son décès en 2010. Ça a été un gros travail de le mettre à jour, de le compléter, mais ce travail est terminé. Avec l'aide de Claude Rapin
et d'un élève de Pierre Gentel, le géographe Jean-François Coulet. Nous envisageons de le publier en même temps que les communications d'un colloque que j'avais organisé au Collège de France sur l'irrigation. Là aussi, c'est bien avancé. Et puis, par ailleurs, alors, il y a aussi un volume dont la part, en fait, qui est écrit sur les fouilles de la mosquée et du palais qui se trouvait en dessous. C'est avec deux spécialistes françaises, enfin deux spécialistes des stucs islamiques anciens, Viola Allegranzi et Sandra Aube, qui ont déterminé, ce que nous n'avions pas pu faire à l'époque, que les fragments de stucs retrouvés représentaient en fait une frise tout le long du mur ouest de la mosquée. Et c'est maintenant un témoignage important sur le premier art du stuc à l'époque abbasside, avant la fondation de Samarra. Quelques autres volumes sont, disons, en état d'avancement divers. Bon, on ne va pas mettre tout sur le dos du Covid, c'est trop facile, mais il est quand même exact que depuis 2 ans, il n'a pas été très facile de mobiliser les gens. Alors, non, les fouilles, la mission existe toujours, mais les fouilles, ont été mises en décélération à partir de 2012-2014. Bon, d'une part, nous n'avons plus touché de crédit public, mais décision qui... peut se comprendre au moins en partie par l'accumulation même du matériel depuis 20 ans. Il faut évidemment maintenant consacrer tous les efforts à l'étude de la publication. L'étude, je dirais qu'aujourd'hui, l'étude du matériel, elle est pratiquement terminée. Notamment, le très gros morceau, ça a été quand même les pavillons caracanides, parce que là, il y avait tout un travail de récupération des données brutes, le puzzle, c'était énorme. Nous sommes une très petite équipe, et malheureusement, comme je vous l'ai signalé au début de cette conférence, la mort a creusé des vides, et même, je dirais, beaucoup de vides. Voilà. Mais nous continuons, bon, bien entendu, à entretenir la collaboration avec l'Institut de Samarcande. Les fouilles se sont prolongées plus longtemps dans les sites extérieurs à Afrasiab, dont je n'ai pas parlé, parce que ce sont des opérations qui ont été directement menées par Claude Rapin. C'est plutôt à lui d'en parler. Beaucoup d'efforts portent sur la préparation de l'exposition. Il se trouve que je préside le comité international de cette exposition. Nous sommes passés par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'il a été... Le principe même de l'exposition semblait remis en cause à un moment. Finalement, elle est sauvée. Elle n'aura pas l'ampleur que nous aurions rêvé, mais enfin, ce sera quand même une belle exposition qui se tiendra donc au Louvre entre novembre et février prochain. Remarquez au passage le petit coup de pacte, c'est toujours difficile de rester un relativement.
J'ai moi-même des gens à qui faire rendre. Voilà. Comme et toujours dans ces entreprises, l'enfer, c'est les autres. Absolument. Enfin, le diable, toujours le bon, monsieur, vous avez une question à poser. Dans quelle ville se trouve, dans quel pays se trouve la ville de Samarkand ? Ouzbékistan. Madame, vous voulez y revenir ? Allez-y. Oui, excusez-moi. J'avais cru qu'il y avait des raisons politiques. Ah oui. Des raisons politiques, pourquoi ? Saint-Martin, effectivement, entre ce que vous expliquez, France Bonnet, et puis la situation, beaucoup de facteurs font que, y compris des facteurs générationnels de transmission, les facteurs politiques, la situation sécuritaire, les pandémies diverses que nous subissons, font qu'actuellement, il est plus difficile d'avoir accès à quelque chose de valeur. Mais bon, on en profite pour préparer l'éducation. Un aspect très positif, malgré tout, de la situation d'Ouzbékistan actuellement, c'est que le pays n'est pas du tout ravagé par les troupes clandestines. Non, il faut dire que le régime. Quelque chose de malheureux. C'est pas du tout le cas ailleurs dans la zone, y compris dans certaines républiques post-soviétiques, comme le Tadjikistan. Là, il y a des. En Ouzbékistan, nous n'avons pas actuellement. Des taux, évidemment, s'y apparaissent sur le marché des taux. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas détecté d'objets volés dans des musées. Oui, il y a eu des vols d'objets dans des musées, mais c'est des peintures modernes. On n'a pas vu d'objets manifestement sortis de site en musée. Alors, il faut reconnaître que le Ouzbékistan, comme tu dis, a été un poil. Donc, effectivement, la répression est très forte. Il se trouve que nous travaillons, y compris d'ailleurs dans le cadre de cet institut, sur la question du trafic des œuvres d'art et des objets issus du terrain. Dans certains pays, en particulier dans cette zone, je ne vais même pas dire le chaos politique, c'est un peu dur, mais disons, si la situation politique fait qu'il y a une assez forte évasion d'objets, de collections qui sont censées être protégées par les États qui n'ont pas toujours les moyens de. Pour l'instant, en Afghanistan, par exemple, la situation ne tourne plus au drame, c'est pas grave, c'est déjà fait, pas que. Donc sur cette région, l'Ouzbékistan reste effectivement. Le problème, c'est que l'Ouzbékistan ne s'entend pas toujours très bien avec ses voisins. Donc là aussi, on a quelques difficultés, parce que, vous savez, on essaie de faire passer les missions, parce qu'on a pu travailler, ce qu'on a fait en Afghanistan, on dit, ben, on va déplacer quelques missions qu'on va mettre dans les pays voisins. Donc généralement, ils ne peuvent pas se sentir les uns les autres. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Et tout ça limite beaucoup notre action actuellement sur cette région du monde, qui est pourtant une région absolument passionnante, qui a énormément de choses à nous apprendre sur toute cette transition médiévale entre les grands empires.
seulement dans le domaine artistique, mais dans le domaine de la pensée également. Et bon, mais malheureusement, il faudra revenir dans quelques générations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? J'ai contribué aussi à l'exposition Ouzbékistan, de Tadjikistan pour le catalogue, mais pas avec le même degré d'implication que ce que j'ai maintenant pour l'exposition Ouzbékistan, puisque au Tadjikistan, je n'y fouille pas. Disons que, j'ai moi-même une excellente impression de l'exposition Tadjikistan, à la fois par le choix des objets et le catalogue. Alors, l'exposition que nous prévoyons au Louvre va être plus abondante, couvrir une période. Pour ce qui est de la période chronologique, ça descendra un peu plus tard parce qu'on ne peut pas, faire une exposition sur l'Ouzbékistan sans consacrer une certaine place à l'époque de Tamerlan et Timouride. Surtout que nous avons en France des fonds manuscrits extraordinairement riches à la Bibliothèque nationale que nous comptons. Qui va nous faire des prêts. Il était prévu au départ un très grand espace qui était la cour Napoléon, et évidemment ça aurait permis de reconstituer en vraie grandeur un certain nombre de, au moins un des grands salons de parade de ces demeures préislamiques. Là-dedans, la nouvelle configuration, ce ne sera malheureusement pas possible, mais je sais qu'un gros effort va être accompli du côté de la scénographie. Pour ce qui est du catalogue, il est vraiment, aujourd'hui, on peut dire, pratiquement entièrement écrit, avec vraiment un bon choix de contribution. Je suis optimiste sur ce que va être cette exposition. Merci. D'autres questions, monsieur? Ce que je peux recommander, parce que c'était directement issu de notre travail, c'est un numéro spécial du dossier d'archéologie qui est paru, je crois, en 2012, c'est au moment où nous terminons nos fouilles sur la faciale, qui s'appelle Samarcande, si je cite de mémoire, Samarcande, ville mythique au cœur de l'Asie. C'est un ouvrage qui a été coordonné par Claude Rapin. On va avoir une présentation générale de. Nous avons fait, et puis de ce d'autres qu'on fait ailleurs, c'est ça que je recommanderais en plus. Très bien. Je vous remercie. En règle générale, vous savez qu'aujourd'hui, les catalogues d'exposition sont de véritables ouvrages scientifiques. Et moi, je vous encourage vivement à les regarder, à les lire, à les consulter. Vous avez généralement des synthèses historiques, des synthèses de civilisation, plus toute la partie catalogue. Permet de fixer ce que vous avez de façon un petit peu sèche dans les exposés, donc de le fixer à travers les objets. Alors, puisqu'on en est là, effectivement, c'est une bonne remarque. Nous n'avons pas donné de bibliographie en préparant cette série de conférences. Donc, c'est l'occasion, je crois, nous avons Jean-Yves qui vient nous parler d'Alexandrie. Alors là, Jean-Yves Empereur, ça ne vous pas le film, le livre, vous avez toute une abondante bibliographie, mais je vous conseille effectivement, avant de vous faire une
passionnante, mais pas très connue du grand public. Alexandrie, c'est plus facile. On est plus au courant, si vous voulez. Nous avons encore deux conférences, c'est-à-dire celle sur Alexandrie, puis ensuite les merveilleuses découvertes sur la mer Rouge de Pierre Calais. Alors là, il y a. Il vient de sortir d'ailleurs un livre qui chez nous doit être chez Errance, qui est sorti chez un grand éditeur anglais, qui est un livre qu'il a coécrit avec Marc Lennart. Marc Lennart, c'est l'archéologue qui fouille le plateau des grandes pyramides, le plateau de Gizeh. C'est lui qui a découvert le village des artisans, etc. Or, il se trouve que dans les papyrus découverts par Pierre Calais, il est question, il y a un journal qui est journal d'un dénommé Merer. Ce Merer c'était un monsieur qui a construit la grande pyramide. Il raconte comment il va chercher des pierres, etc., dans le papyrus, et on a retrouvé sa tombe. Donc les deux égyptologues se sont mis ensemble pour faire un livre qui se lit, mais alors, comme un roman, c'est absolument passionnant, où l'on voit à travers les aspects archéologiques. Alors, évidemment, pour ce cas-là, les livres existent, pour d'autres cas, ça n'existe pas. Il n'y a pas toujours des romans policiers qui se font sur les découvertes, mais c'est une bonne idée, essayer de lire dans une semaine ou 15 jours avant ce genre d'ouvrage. Bon, bah, alors, il y a des romans sur Saint-Martin, mais je ne les recommande pas trop. Voilà, c'est un peu. Mais on est toujours pris entre les deux. Voilà. Bon, c'est rare d'avoir des collègues qui soient vraiment de bons écrivains aussi. Et c'est vrai que ça marque toute une aura différente. Alors, pour une introduction aux civilisations d'Asie centrale, en français, il y a un ouvrage qui reste vraiment très important, c'est dans la défunte collection Citadelle et Maslow, oui. Les arts de l'Asie centrale, ouvrage coordonné par le révélé Kirchhuin, avec beaucoup de collaborations vraiment du premier plan. C'est Marchal qui a dit c'est Varsovien, etc. Et quand parfois je fais des visites au musée avec des groupes français, je constate que souvent dans ces groupes, il y a un bon niveau d'information. Et ça vient, souvent ils me citent cet ouvrage. Oui, ben alors, ils ont à qui me consulter. Mais non, ça ne s'en mêle pas dans le sac de poche. Ben c'est pas vraiment un livre de poche. Mais c'est pas grave. C'est un peu coûteux, mais c'est généralement. Ce sont de magnifiques. Ah ben oui, enfin, ce sont de très jolis livres. Bien, est-ce qu'il y a encore au moins une question avant que nous cédions. Oui, pardon, excusez-moi, monsieur. C'est très bon, mais Jean-Paul Roux avait été vraiment un spécialiste du monde turc. Et disons, il a fait par exemple un livre, une introduction à l'histoire de l'Asie centrale qui est vraiment plutôt bonne, mais c'est très focalisé sur l'arrivée des peuples, les peuples turcs successifs, etc. Il faut savoir tout de même que voilà, il y a un biais. Mais quand on pense turc, on pense à la Turquie, mais c'est très limité, alors que une population turque, c'est une population qui venait de témoins et qui vont par vagues successives. Mais contrairement à ce que au discours que parfois sert le régime ouzbek actuel, la Turquie, l'arrivée d'éléments proprement turcs dans la région, dans cette région-là, n'est pas antérieure véritablement au VIe siècle. Eux, ils aimeraient faire remonter ça au deuxième millénaire avant. Il y avait d'autres occupants, enfin, à ce moment-là. Voilà.